Saint-Joseph, c'est l'époux de la Vierge Marie, comme on sait. Et je vais faire un lien entre Joseph, époux de Marie, et le prêtre-curé. Donc, curé, les gens pensent, un curé, ben, on est marié avec Dieu ou avec Marie, pas du tout. Marie, elle avait assez d'un mari. Et donc, nous, notre épouse, c'est la communauté. C'est le sens du célibat. On se donne totalement au service de la communauté. Et c'est la communauté qu'on embrasse, qu'on aime et qu'on prend soin. Donc, un prêtre, à la manière de Joseph, à la fois va être travailleur, va être prêt à se salir les mains pour la communauté. Donc, faire des travaux à la fois physiques, mais aussi intellectuels. Notre frère Saint-Joseph était quelqu'un qui avait le souci d'accomplir la loi, donc de répondre à la loi. On pense que c'était un pharisien d'ailleurs, mais très équilibré, un saint homme qui devait répudier sa femme selon ce qu'il savait, qu'elle était enceinte, mais de qui? Là, elle était la question. Alors, répudiation, mais il s'est dit, je vais le faire secrètement pour ne pas la briser, pas briser Marie, celle qui aimait, jusqu'à ce qu'un ange se manifeste à travers son rêve et qu'il lui dise « Prends-la comme épouse ». Alors, donc le curé, c'est celui qui va veiller également comme Joseph, qui marchait avec Marie sur l'âne, à la fois quand elle était enceinte, pour trouver un lieu, un logis pour qu'elle puisse accoucher, et aussi après, quand on a dû fuir en Égypte, pour se sauver du danger des humains déjà qui voulaient marteler son fils. Et parlant de fils, l'époux est à la fois aussi un papa, mais je vais y aller du côté fraternel, donc pas un papa moralisant, un papa dur ou un papa paternisant, mais plutôt un grand frère. Un curé, c'est pas quelqu'un sur un trône distant des gens, c'est celui qui marche avec. On préside à la messe, on précédéré, on est assis devant, mais on marche avec l'Assemblée, avec notre épouse. Donc, voilà. Donc, demandons à Saint-Joseph d'éclairer tous nos pasteurs. Amen.